Wilson. Oui, tantine. Mon mari fait partie de ceux qui ont usé de leur influence pour que ta femme soit libérée. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué à faire libérer Caroline. Hey, tu es là, ma soeur chérie? Oui, je viens d'arriver, comme il était dit là, que j'allais chez Lobé. Je suis passé par derrière. Chana, ce cochon de Lobé, je m'en vais le remercier pour le bien qu'il m'a fait. Tout ce qu'il exige de moi, c'est d'aller me mettre dans son lit avec lui. Cela ne me surprend pas, venant de lui. Tout ce qu'il connaît faire, c'est parler de sexe. Il ne mange que ça. Il ne vit que de ça. C'est vrai que, Baba Zamba, c'est bien comme était trouvé ici, petite soeur. Je voudrais qu'on trouve une solution pour résoudre le problème qui est entre Ngassa et Wilson. On met fin à ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'après toutes ces années passées sans contact avec moi, Ngassa ait pu refouler tous les hommes qui lui faisaient la cour pour attendre que je revienne. Azamboa, qu'est-ce que tu dis? Quand une femme aime et croit à l'existence de son homme, elle le peut. Ce qui me dérange maintenant, c'est comment faire pour annoncer à Ngassa que Wilson est déjà marié et qu'il n'est plus possible qu'il l'épouse. C'est compliqué, hein? De toute façon, il faut qu'elle sache que je suis déjà marié. C'est quelle histoire, Sam? Elle est partie accompagner Georges pour une éternité. Je suis là. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. La question ne se pose pas, ma belle. Tu ne peux pas me laisser attendre indéfiniment parce que tu allais accompagner Georges. Je suis désolée. Si j'avais les clés de chez toi, j'aurais fermé ta porte et rentré chez moi. Irène, excuse-moi. Je suis juste allée à un magasin pas très loin d'ici. Et tu allais chercher quoi au magasin de si urgent? J'ai une surprise pour toi. Une surprise pour moi? Ferme les yeux. Allez, te fais pas prier, ferme les yeux. Ok. Tu peux maintenant les ouvrir. Tada! Je suis allée l'acheter pour toi. Merci beaucoup. De rien. Oh non, il est beau. Tu seras à nouveau joignable. Merci beaucoup, Suzy. Oh. Je suis ravie que ça te plaise. Tu es une vraie amie. Je sais. Qu'est-ce que ça fait du bien de passer enfin de bons moments en ta compagnie. Je suis toute contente comme un nouveau-né. Mon amour, dis-moi, c'est pour quand la dot? Tu sais, il fallait qu'on aille déjà voir le maire.
Angassa. Oui, chérie. On ne peut pas se marier. Quoi? J'ai une femme dans ma vie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais que c'est difficile comme épreuve pour toi. Mais comprends-moi. Je n'y peux rien. J'ai déjà une femme dans ma vie. Et je ne peux pas t'épouser. Je ne veux rien entendre. Pourquoi tu allais si heureux, chérie? Tu vois ça? J'ai un nouveau téléphone. Et en plus, un téléphone de luxe. Et où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour t'acheter un téléphone pareil? Toi-même, tu sais que je n'ai pas d'argent pour m'offrir un tel téléphone, non? Oui, je sais. Et celui-ci, où est-ce que tu l'as eu? Ne me dis pas que tu l'as ramassé. Non. C'est ma copine Suzy qui me l'a offert. Menteuse! Comment ça je mens? Je suis sûr que c'est l'un de tes amants qui te l'a offert pour mieux organiser vos rendez-vous. Non! Je jure, chérie, c'est ma copine Suzy qui me l'a offert. Ah oui, Suzy. Encore Suzy. Et toujours Suzy. Et c'est tes histoires avec cette femme qui m'ont cassé le dos. Il faut bien que je sache ce qui se cache derrière cette histoire. Angassa. Maman, tu te rends compte? 6 ans! 6 ans pour rien! Qu'est-ce qu'il y a eu en 6 ans? C'est Wilson! Il dit qu'il ne veut plus m'épouser! Tu sais, la fille qui nous a accueillis à l'aéroport au tout début, elle m'a fait part de son mariage qui a lieu dans quelques jours. Ah, elle s'appelle Ngassa. Oui, je sais. Je me souviens, c'est elle qui s'est battue pour que je retrouve la liberté et elle est vraiment très gentille. Oui, elle est sympathique. Oui. En fait, je me demande ce que je peux lui offrir comme cadeau de mariage, tu sais, pour lui signifier ma gratitude. Non, elle ne se marie pas. Bah, comment ça? Elle vient de me dire que la célébration de son mariage était imminente. Tu sais, mon amour, avant d'aller en Europe, je m'étais fiancé avec Ngassa. Elle se dit que je suis venu l'épouser. Tu m'as trompé, Wilson. Comment peux-tu nous mettre en contact, ta fiancée et moi? Mais c'est lamentable. Écoute, ma chérie. Je suis calme et je t'écoute. Pendant 6 ans sans contact, aucun de nous n'avait plus les nouvelles de l'autre. Je me suis dit que elle s'est tapée un autre mec. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avec elle? Mais c'est cynique.
Tu continues à lui laisser penser que vos fiançailles tiennent toujours. Je viens de tirer cette histoire au clair avec elle il y a à peine une quinzaine de minutes. Je lui ai dit qu'il était désormais impossible pour moi de l'épouser. Rien, maman. Comment ça, rien? Il dit qu'il a déjà une autre femme. Wilson te fait perdre 6 bonnes années pour revenir te dire en toute sérénité qu'il ne veut plus t'épouser. Il est normal, ce garçon. Ah non. Maman, elle pensait que la vie, ça n'avait même plus de sens. C'est mieux qu'elle meure une fois et quitte ça. Tu vas mourir pour quoi, Ngassa? Pour un homme? Parce qu'il est quoi? Toujours parce qu'il vient de la France? Il a détruit ma vie, maman. Mon cœur m'est tombé dans ma poitrine. La reine mère de Sukunde est particulièrement belle ce matin. Et si elle pouvait agrémenter ce beau visage d'un petit sourire, cela ferait du roi de Sukunde l'homme le plus heureux au monde. Je ne suis pas d'humeur à blaguer ce matin, Sa Majesté. Et qu'est-ce qui serait à l'origine de la mauvaise humeur de la reine-mère de Sukunde? Ta femme, Ntonga, elle est insupportable, celle-là. Qu'a donc fait Ntonga pour mettre la reine-mère de Sukunde dans un tel état d'énervement? Elle se plaît à me narguer fréquemment en public. Et ça, je ne le supporte plus. Ntonga t'a narguée? Oui. Pour elle, en tant que femme du chef, elle est égale à moi. Et par conséquent, je ne peux rien lui dire. J'invite la reine mère de Sukunde à calmer son courroux et à faire confiance à son vieil mari. Parce qu'il va arranger cette situation. Avec qui? Avec moi. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Je me moque de toi comment? Ça veut dire encore quoi ce comportement, Valentin? Ça veut dire que tu es une menteuse. Tu m'as dit que tu ne sortais pas avec Mitumba, non? Cela reste valable. Je ne sors pas avec lui.
va proférer tes mensonges là ailleurs. Tu me prends pour un imbécile. Je t'ai vu avec mes propres yeux en train de l'embrasser. Bon, ne te fie pas ça. C'est du cinéma. Il m'a promis de m'acheter un immense champ pour l'agriculture. Il me fallait lui faire plaisir pour lui donner l'impression que je l'aime. Tu comprends? Ça veut dire que pour de l'argent, tu es prête à tout. Un pauvre comme moi ne peut pas compter à côté de toi. Si, tu comptes. Et même beaucoup pour moi. C'est toi que j'aime, Valentin. Bon, Mitumba, c'est juste pour me trouver un peu d'argent pour pouvoir vivre notre amour décemment. Tu comprends? Je te mets en garde. Il m'a mis de couper d'aime. Je suis à l'écoute de Sa Majesté Gambi Atatito Limpo, le roi de mon cœur. De quel droit tu t'avises de piétiner l'autorité de la reine Mentonga? Tu peux l'appeler reine mère ou n'importe quoi. Pour moi, elle est ma coépouse. C'est pourquoi j'exige le même traitement qu'elle. C'est moi qui vais t'apprendre aujourd'hui que nos traditions accordent à la reine mère des prérogatives et une autorité. Encore les traditions, toujours les traditions. C'est décidément une explication à tout ici au village. Gambi, c'est toujours la tradition qui t'interdit de passer les nuits dans ma chambre. Si tu ne veux pas de la tradition de Sukunde, change donc de village. Ton problème ne se résume qu'à un problème de lit? Oui. Ok. Attends-moi donc dans ton lit, ce soir. Sa Majesté, pour m'avoir longtemps lésée, et privé de ta présence, tu devrais m'accorder au moins 4 nuits consécutives. Je trouve que tu deviens gourmande et exigeante. Ne vois-tu pas que tu exagères, Ntonga? Je ne te demande que ce qu'une femme réclame à son mari légitimement. Je ne vois pas moi où je suis trop exigeante. Une nuit, pas plus. Nos multiples rencontres dans ce lieu commencent déjà vraiment à me mettre mal à l'aise. Tu es même qu'un genre d'homme. On te met la nourriture dans la bouche et tu t'en plains. C'est de la nourriture empoisonnée que tu me mets dans la bouche. C'est pas une bonne nourriture. Notable Bataquin, dis-moi que tu n'es pas sérieux. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu ne ressens rien pour moi. Non, Tonga.
Il est interdit formellement aux notables de regarder la femme du chef dans les yeux. Et je suis très respectueux envers nos us et coutumes. Je ne peux pas faire ça. Tidon, arrête-moi ça. Viens plutôt qu'on le fasse rapidement. On risque de nous surprendre. Je ne peux pas toucher à la propriété de Sa Majesté. Je t'ai dit ça. Je ne peux pas. Si tu ne viens pas me faire plaisir, je vais crier. Et les badous du roi vont accourir. Je leur dirai que tu as essayé de me violer. Non, Rentonga, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai rien fait pour mériter l'enfer. Essaie de ne pas faire ce que je veux. Tu vas voir de quoi je suis capable. Aide-moi plutôt à défendre. Wilson m'a eu. Wilson m'a tué. On m'a raconté. Sois forte, ma chérie. Je veux bien être forte. Mais je ne sais pas où est-ce que je vais puiser cette force. Je comprends que ce soit dur. Je sais que c'est difficile. Wilson m'a complètement brisé le cœur. 6 ans à attendre un homme, ce n'est pas 6 jours. Ce n'est pas 6 mois. Je sais, c'est vrai que c'est douloureux. Mais dis-moi, est-ce qu'il était vraiment sérieux dans la relation qu'il avait avec toi? Oui. Tante et sa mère étaient venues voir mes parents pour demander ma main. On était fiancés. Et je pense que toute cette phase n'était pas un jeu vain. Aujourd'hui, Wilson a le courage de me dire qu'il a une autre femme. Il t'a dit ça, qu'il avait une femme? Oui. Sa mère lui a trouvé une femme ici dans ce village. Sa mère lui a trouvé une femme ici. Tu la connais? Non. Mais... Et comment tu sais que c'est une fille de ce village? Parce que nos traditions interdisent aux fils de ce village d'épouser des étrangères. Mes chocos du Cameroun et partout dans le monde, comme je vous appelle affectueusement. Je suis Serge Dombela, acteur de cinéma camerounais. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de votre série préférée qui vient à peine de s'achever. Vous qui voulez regarder la suite, téléchargez tout simplement l'application mobile Synaf TV sur Play Store. Ou alors, dirigez-vous tout simplement sur le site internet www.synaf.tv.
pour accéder à tous les contenus du cinéma camerounais. Alors, je vous fais confiance, parce que vous me faites confiance. Big up à vous. Aime l'étranger comme toi-même. Accepte l'enfant d'autrui comme ton enfant. C'est alors que tu as compris ce que c'est que la vie. Blanc, noir, genou, abino, c'est le même sabot.